the morning show. J'écoute le morning de G-Foot dans toute la France. C'est là qu'il fonce, c'est là qu'il fonce. Ils sont premiers sur son réveil. Oui, oui, oui. Ils sont prêts à tout pour te réveiller en direct sur Skyrock jusqu'à 9h. Bienvenue dans le morning de G-Foot. Tout au bout de la nuit, il est 6h, nous sommes le mardi 20 décembre, une nouvelle journée qui débute. C'est Vincent, content de vous retrouver, c'est le grand Noël du morning de G-Foot, on le vit tous ensemble avec les réveils de stars que vous avez le plus streamé cette saison, les doubles appels qui vous ont fait le plus marrer, les pas chers de Romano, votre horoscope de l'amour également à pas louper. Premier réveil de star à pas louper, celui de Gazo, G-Foot qui a piraté sa voix pour réveiller un certain Richard, c'est ce que vous allez retrouver dans quelques secondes pour attaquer votre matinée. Cadeau également à gagner en ce mardi matin. 7-20-20 de Noël, on y va. Allez, je vous l'annonce, je vous le dis direct, l'iPhone 14 va tomber dans la matinée et il va tomber dans pas très longtemps. On va prendre de vitesse toutes celles et tous ceux qui sont en train de dormir. Vous envoyez Noël au 7-20-20. Vous, vous êtes à l'écoute, vous avez votre chance. On tire au sort parmi celles et ceux qui sont à l'écoute. Vous m'entendez à 6h01, vous en faites partie. C'est l'occasion, des fois, faut être malin pour gagner des cadeaux. Vous envoyez Noël au 7-20-20. Je vais vous appeler dans le cours de l'émission pour vous l'offrir, cet iPhone 14. Et puis un petit peu plus tard dans la matinée également, vous pourrez jouer pour gagner vos 1500 €. On en reparlera, c'est blindé de cadeaux, c'est Noël, c'est les fêtes de fin d'année. Et c'est Rémi et que oui. Vous retrouvez tout de suite, connexion à l'appart pour l'actu et pour le sport, mon Rémi. Yes. On attaque avec la météo. Ouais, c'est pas terrible encore la météo aujourd'hui. Ce sera lumineux au fil des heures de l'Alsace jusqu'aux Alpes. Agréable aussi en Corse cet après-midi, mais c'est tout. Voilà, ailleurs, au mieux des nuages et au pire des averses, ce sera le cas de l'Atlantique au centre, mais aussi sur la Bretagne, la Normandie, la région parisienne et les Hauts-de-France. Pluvieux de la Méditerranée au Rhône. Les températures ce matin entre moins 1 et 14 degrés. On a 8 à Lille, 9 à Paris, 10 à Marseille, 12 à Lyon. Cet après-midi, il fera 8 en Alsace, 9 sur le territoire de Belfort. On aura 11 près des frontières du Nord et en région parisienne, 12 en Bourgogne et dans la Loire, 13 en Bretagne et en Normandie, 14 en vallée du Rhône et sur le bassin Aquitain, 15 sur la Haute-Garonne et la Côte-Basque, et jusqu'à 17 près de la Méditerranée. La pollution, c'est plutôt correct, hein, les indices entre 2 et 4. Un Oli de Sam Smith pour le son, et là Rémi, c'est parti pour l'actu. Ça n'était pas un soir de victoire, mais beaucoup ont voulu leur témoigner leur fierté. 50 000 supporters se sont massés à la Concorde à Paris. Les Bleus sont venus les saluer dans la soirée hier, juste après avoir atterri à Roissy. Didier Deschamps et ses hommes se sont rendus sur le balcon de l'hôtel Crillon, dernière étape d'une épopée inoubliable lors de ce Mondial 2022 qui va presque nous manquer. C'est clairement Kylian Mbappé qui a gagné à l'applaudimètre hier soir. Les Bleus sont restés avec leur public une vingtaine de minutes. Attention, si vous devez prendre un avion avec Air France pendant les fêtes, il n'y a pas qu'à la SNCF que des perturbations sont à craindre ce week-end. Les syndicats d'hôtesses et de stewards ont déposé un préavis de grève à partir de jeudi et jusqu'au 2 janvier. L'importance des perturbations sera connue aujourd'hui. Comme dans le ferroviaire, les personnels dans l'aérien doivent se déclarer grévistes 48 heures avant le début du mouvement. Les syndicats veulent mettre la pression alors que la convention collective est en cours de négociation. Une aide distribué largement par l'État, mais des pertes sèches pour l'ensemble des Français. C'est en résumé ce que révèle une analyse de l'INSEE sur l'évolution des prix de l'énergie. Alors on parle là de carburant, mais aussi de gaz, d'électricité ou encore de fuel domestique. En modélisant les dépenses supplémentaires, l'INSEE calcule que les ménages ont perdu en moyenne 720 € entre janvier 2021 et juin 2022 à consommation égale. La baisse de pouvoir d'achat est plus importante en milieu rural. La décision a fait l'unanimité. La commission d'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole a recommandé des poursuites pénales contre Donald Trump, dont une pour appel à l'insurrection. Cette commission a également recommandé que l'ex-président soit poursuivi en justice pour entrave à une procédure officielle de complot à l'encontre de l'État américain et de fausses déclarations. Ces chefs d'accusation sont passibles de peine de prison et d'une interdiction d'exercer toute fonction publique. Il y a du sport, Rémi ? Il y a du sport parce que, au-delà de l'équipe de France et de tout ce qui s'est passé, il y a eu aussi une annonce de Benzema hier à 35 ans. D'ailleurs, timing qui a beaucoup surpris puisqu'il a annoncé sa retraite internationale. C'est terminé, nous ne verrons plus Benzema avec le maillot bleu. La relation entre Didier Deschamps et lui semble une nouvelle fois cassée. Alors le joueur n'a semble-t-il pas compris pourquoi le sélectionneur ne l'a pas laissé se soigner avec les Bleus. Il a même pu reprendre l'entraînement avant la fin de la Coupe du Monde. La décision de Karim Benzema pourrait en tout cas laisser entendre que l'aventure Deschamps devrait se poursuivre à la tête de l'équipe de France. C'est en tout cas l'avis visiblement de Karim Benzema. Bon Rémi, pas de retraite pour toi ? Non. D'accord, très bien. Ben, on va te retrouver dans une dizaine de minutes avec G-Foot. T'as préparé la compile des joueurs de jeux vidéo
qui se sont retrouvés malgré eux à la une de l'actualité, parce que maintenant la Coupe du Monde, on va se la refaire à la console. Ça sera avec toi, Eddie Full, tout à l'heure à 6h15. Allez, tout à l'heure. Une star. Hey, hey, hey. Un appel. Gazo. Une famille. Ouais, mais vous avez besoin d'autre chose à faire que de raconter des conneries, espèce de connard. C'est le réveil de star sur Skyrock. Gazo, on le retrouve chez Richard. Parce qu'on a pris notre téléphone, on a mis la voix de Gazo dedans et on a réveillé Richard et la famille avec la voix de Gazo. On va parler d'argent, je pense. Allô? Hey, hey, hey. Oui? Bonjour. Mais attendez, vous êtes qui? Je suis désolé, vous faites erreur, non? Gazo. 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 La man avec Jinx. Vous êtes un ancien chauffeur, c'est ça? Un ancien chauffeur. Ouais. Ah, alors désolé. Écoutez, franchement, désolé, j'ai pas été très très aimable, mais on a que des appels cache-bonbons et là, vous êtes en appel masqué. C'est comme tu veux. D'accord. Bon, je vous en veux pas, y a pas de souci, excusez-moi. C'est bien, c'est Gazo. Allô? Hey, hey, hey. Qui c'est là? Gazo. Gazo. On est bon qu'on soit les bons amis. Ah non, mais là, on se connaît pas là. J'ai vendu du bédo. Du bédo? Oh, mais j'en fume plus depuis longtemps de ça. La main avec Jinx. Ah bon, non, mais tu dois te tromper, camarade. Non, non. Non, 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 tu dois confondre deux, c'est pas possible. T'es en train de m'en manger une connerie, là, c'est pas possible. On faisait un travail d'équipe. Non, non, mais je te connais pas du tout, puis tu vas pas m'emmerder pendant 10 ans, hein, c'est bon. Allez. C'est la famille, c'est la famille. Parce que tu dois confondre deux personnages, c'est pas pareil. Ben, moi, je suis un mec, je suis très familier. Oui, toi aussi, là, tu me prends pour un con, c'est bon, je te connais pas du tout. Alors, tu me casses pas les couilles. Mais bon, qu'on soit les bons amis. Oui, ben, je vais payer si tu veux, tu peux venir tout de suite, là. T'es où, là? Viens, je vais te payer tout de suite. Faites attention, parce qu'on est dans un village où il y a beaucoup de chasseurs et on a ce qu'il faut chez nous. Faites attention, hein. Gazo. Est-ce que t'es armé? Oui, oui, je suis armé. On t'allume comme la tour Eiffel. Oui, 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 bah tiens, viens, je t'attends, là. T'es où, là? Viens. Je me vois, là, dans toi. Oui, 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 oui. Viens, viens, je vais te sortir l'argent tout de suite. Allez, tu viens. On reprend fort les hostilités, là. Oui, oui, allez, je t'embrasse. Voilà, les hostilités sont ouvertes, a priori. Hein. Richard et son fusil, et Gazo, ancien chauffeur, on découvre des trucs dans le morning, c'est ouf. C'est la compile de l'actu sur Skyrock. Compile de l'actu, jeux vidéo ce matin sur Skyrock. Et on va commencer par la place numéro 3. Numéro 3. Et oui, c'est notre compile, on fait 3, 2, 1. Et à la troisième place, on va en Ardèche. Oui, un père de famille et son fils ont créé un super jeu vidéo pour cultiver du cannabis virtuellement. Alors, après plus d'un an de développement, la démo... Ouais, la démo du jeu Widowverse, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Widowverse. A été lancée à la rentrée. Les joueurs doivent cultiver leur bœuf, la transformer, la fumer. Et ils peuvent gagner de l'argent en la vendant. Jeu passionnant donc. Ouais, très bien, de la bœuf virtuelle. Ouais. Et contre ça, la police, elle peut rien faire. Bah, si, sûrement. À un moment donné, le jeu, ils vont pas kiffer quand même. Oui, bah, c'est un jeu. Bah, oui, faut qu'ils arrêtent d'emmerder le monde quand tu tues des gens dans des jeux. Ouais, dans GTA, ils vont pas venir m'arrêter. Hein. Ah, parce que t'as tué des gens. Hein, t'as roulé sur quel code en GTA? Ça se discute. Complètement con. Allez, on va en Allemagne pour la place numéro 2. Numéro 2. C'est un homme de 35 ans qui adore les jeux vidéo, il adore jouer sur sa console. Le problème, c'est que sa meuf, elle aime pas ça du tout. Et un soir, il a invité ses amis. Bon, il a 24 ans, il invite des amis, tranquille, il boit un petit verre. Et pour être tranquille, il administre dans le petit verre un somnifère à sa copine. Oh putain. L'autre qui tombe raide. Oh la pauvre. Et qui s'en est rendu compte malheureusement. Bon, ce qui fait qu'ils ne sont plus du tout en couple actuellement. Elle n'a pas compris ce qu'il arrivait au début. Elle a dormi jusqu'à midi le lendemain. Donc il a un peu chargé sur la dose. Et elle a ressenti les conséquences du sédatif sur son lieu de travail dans l'après-midi. Elle a fait des analyses. Elle s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle a découvert donc qu'il y avait du somnifère. Elle s'est dit, mais c'est l'autre hier. Il m'a eu du somnifère pour être tranquille avec ses poteaux. Bon, ils ont divorcé. Ils sont plus ensemble. Elle a porté plainte. Et il a été condamné à 500 euros d'amende. Bah, elle a bien dormi. Oui, elle a bien dormi. Oui, c'est vrai. Et à la place numéro 1. Nous filons aux Philippines où une maman est très, mais alors vraiment très inquiète. Elle a prévenu la presse, elle a prévenu tout le monde. Elle raconte le quotidien de son fils qui a 13 ans, qui est accro aux jeux vidéo. Elle l'a même filmé. Le pauvre gamin ne peut plus bouger. Voilà. Il est même nourri par sa mère pendant qu'il joue. Pourquoi il ne peut plus bouger? Bah parce qu'il est à fond sur son jeu. Dès qu'on lui arrache son jeu, il fait une crise de nerfs. Ah ouais. Il est nourri par sa mère pendant qu'il joue. Il ne fait même plus popo. Hein. Il va pas aux toilettes. Sa maman lui tend un seau pour faire ses besoins devant la console. Voilà. Il est déscolarisé, forcément. Il ne fait ça que ça toute la journée. Donc on lui a conseillé de l'emmener voir un médecin. Oui. La mère est encore plus contre le fils, non? Oui, un peu. C'est sûr. Ça t'arriverait, toi, par exemple?
Ton petit François qui a ton petit François qui a un an là. Il serait accro aux jeux vidéo. À un an? Oui, bah oui, on sait jamais. Bah j'arrache la télé. Voilà, attends, moi c'est clair. C'est réglé. Le morning de Difool sur Skyrock. Tous les matins. Le morning de Difool sur Skyrock. On va retrouver la ch'touffe du jour. Alors je peux vous dire qui c'est celle qui se pense truie. Je suis truie. C'est celle qui avait hurlé sur le plateau de TPMP. Je suis truie. Je suis truie, nous sommes truie. Je suis truie, rappelez-vous. C'est ça. C'est elle. Ouais. Je vous laisse le mot de la fin. Ah bah oui, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu le mot du début. La misère. Ah, on dirait que je fais un, deux, je trois soleils. Ça y est. Nous sommes truies. On est truies. Nous sommes truies. Bon, bah, je suis truie. Voilà. Et je suis ralouf. Merci Solveig d'avoir été avec nous. Voilà, ça c'était donc avant et elle est revenue hier pour un débat face à un torero. Solveig Alloin donne son avis, vous imaginez lequel, sur la corrida. Vous n'aurez pas le buzz ce soir, désolé, monsieur. Très bien comme ça. Comme ça, on peut discuter. On est en terre esclavagiste, n'est-ce pas? On est chez Bolloré. Sylvie, il est resté calme. Hein. Ouais, ça va. Ouais. Solveig Alloin fait une belle entrée et là, le débat sur les corridas démarre. Le monde entier est une arène. Il est temps que le spectacle le plus cynique, décomplexé soit aboli et il va être aboli car nous ne laisserons pas faire les sociopathes. Alors Marc, ok Solveig, il y a pas de problème. On a tout compris ce que tu as dit. Hein, on a à peu près compris pour une fois. Pour une fois. Et là, elle est face à un mec qui s'appelle Marc, donc et qui est torero. Ah, tout ce que dit cette dame, bien évidemment, je suis pas d'accord avec elle. Parce que je veux pas vous. Les oreilles et la queue. La tête et la queue. Oui. Les oreilles et la queue. Les oreilles et la queue. Donc on arrache les oreilles et la queue. Non, mais chacun son tour. Voilà, on arrache les oreilles et la queue. On arrache les oreilles et la queue au torero aussi. Pareil. Voilà. Ça pourrait faire un carton, c'est pas con comme idée. Elle est pas con cette Solveig. Une bonne idée, hein. Tu fais une corrida et puis tu arraches les oreilles et la queue. Les oreilles et la queue. Ouais, ça pourrait être pas mal. Qu'est-ce que vous avez à dire à un matador en plateau? C'est la première fois voilà, qu'on a un matador. On va lui dire. Mais on ne dresse pas la parole à un meurtrier, c'est très dangereux. Donc vous voulez pas lui parler? Oh mon frère, vache ma soeur. Je peux finir s'il vous plaît? Oh mon frère, vache ma soeur. Parce que c'est une réalité, c'est une réalité qu'on voulait pas. Allez là, taureau mon frère. C'est la prière. Taureau mon frère, vache ma soeur. Taureau mon frère, vache ma soeur. Elle est spéciale. Ouais. Le mal nommé le vache qui n'élève que la douleur, où à chaque seconde depuis que j'ai commencé à parler, j'ai l'impression d'être dans l'exorcisme. C'est un peu l'exorcisme, c'est vrai. On va écouter quelqu'un d'autre. Sauter dans les arènes. Sauter dans les arènes. Elle est hors d'elle. Elle est en crise. Sautons dans les arènes. Tu veux une pizza arène? Non, il faut sauter dans les arènes. Elle est arrivée en beauté, elle repart en beauté. La corrida Bolloré est en. Il est pro-corrida, mais tu dis germain. Et arrête avec ton micro, c'est insupportable. Fais attention, tu dis Bolloré sur le plateau TPP, tu repars avec un micro dans le cul. Fais gaffe. Attention. Ils n'ont rien demandé. Allô. Mais Skyrock va les connecter. Allô. C'est le double appel de Difool sur Skyrock. Hey, double appel, on les a testés juste avant et puis on les met en contact juste maintenant. C'est parti, les familles du double appel, on a plein de numéros qu'on a testés et là, c'est maintenant que ça sonne, on y va. Qui c'est qui parle là? Ah, c'est moi. Allô? Qui c'est qui parle là? C'est José? C'est qui là? Ouais. C'est José. C'est qui là? C'est José de Saint-Quentin. Salut José de Saint-Quentin. Ah, c'est Saint-Quentin! Comment ça se fait que tu parles comme ça? Tu parles mal, hein, t'as vu? Ah, salut à Saint-Quentin! On salue Saint-Quentin! Ouais. Ah, vous êtes à Saint-Quentin, là? Ouais, Saint-Quentin. Ah, là, Saint-Quentin! Allô? Ouais, bah attendez que moi, ça fait 2 ans. Bonjour. Bonjour. Allô? Ouais. Oui? Allô? Oui, allô? Bah, on vous écoute. Bah, vous m'avez appelé. Allô? 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 Bah, ils sont encore 50 ans? Ouais. Ah, qu'est-ce que je fais là? Ah, c'est le bras, hein? Je raccroche la dame parce qu'on a l'impression d'être dans une cathédrale quand on est avec la dame au téléphone. Ouais. Ah, ça plaisait à Guy. Bon, salut ça. Alléluia, ouais, je trouve ça. Ouais. Salut Saint-Quentin. Ouais, salut. Salut mon copain. Il était marrant lui. Il était sympa. Il était sympa. Ouais. Allô. 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 Oui, bonjour. 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 Vous êtes qui là? Non, c'est vous. Vous êtes qui vous? Ouais, vous arrêtez votre merde d'appeler les gens là? Oui, moi, je vous ai appelé. Là, tu as foutu. Eh, ta mère, bâtard. Oh, ta mère aussi, espèce de con de pédé. Non, ta mère, j'encule. Toi, ta mère, ta femme, t'as des. Eh ben, va enculer ta soeur plutôt avant d'enculer ma mère. Espèce de petit con, va enculer ta soeur. Très bien. Salope. Oh. Dis donc, on aura fait toute la famille, dis donc. Ah ouais, d'où? C'est le morning de Difool. Le morning.
morning show. Tous les matins sur Skyrock. C'est l'heure de retrouver nos deux dragueurs, les deux meilleurs dragueurs du monde qui sont là avec nous. Bonjour Manon. Bonjour, bonjour les hommes, bonjour les femmes. Salut. Bonjour Cédric. Et bon anniversaire ma chérie. Bonjour tout le monde, oh, et bon anniversaire Carole, ouais. Merci, bisous tous les deux, c'est gentil. Alors, oui. Qu'est-ce qu'on fait ce matin? C'est quoi vos techniques de drague? Ben moi je prépare le nouveau marathon, là, le marathon du sexe. Et d'après mes dernières compagnes, je suis pas très performant. Ah bon? Du coup, je viens me préparer pour le marathon. Je viens m'entraîner chez les femmes et chez les hommes de... des familles qu'on va appeler quoi. Tu mets le niveau haut ce matin, le marathon du sexe pour quelqu'un qui... représente les précoces. Représente les précoces. C'est un défi. C'est un défi, c'est bien Cédric, j'aime les défis comme ça. Romano, ta méthode c'est quoi? Moi je fais une méthode de Noël et de cuisine. Je commence à m'entraîner là pour le réveillon de Noël. Cette année je vais cuisiner une dinde et j'aimerais m'entraîner à la fourrée ce matin avec les familles. Oh là là, j'adore. Moi aussi j'aime beaucoup vos méthodes aujourd'hui. Ça fait deux sacrées méthodes. De belles méthodes. Écoutez bien le clash de la drague et puis après vous pourrez voter pour Romano pour Cédric, c'est parti. Romano, petit, à crâne d'œuf, Cédric. Quatre mentons, un ventre surdéveloppé et un cerveau sous-développé. Face à face, les deux plus grands séducteurs de la planète. C'est le clash de la drague sur Skyrock. Et oui, votre clash de la drague et c'est parti. Et ben Cédric, tu commences. Allez, vas-y. T'es prêt? Ouais, je suis prêt. Chaud. Allez, il est prêt, il est chaud. Chaud bouillant. On va chez qui? On appelle Patrick pour démarrer. On démarre chez Patrick. Allez, de l'amour, de la classe. Allô aussi. Ouais, Patrick, comment ça va? Pas mal. Ouais, ça a l'air d'aller, toi, dis donc. Je t'appelle là, tu sais, je préparais mon marathon du sexe. Je me suis inscrit, là, la semaine dernière. Et le problème, c'est que là, depuis que je couche avec des femmes, elles me disent que je suis pas assez endurant. Si tu vois ce que je veux dire. Bien, bah, justement, je vais venir m'entraîner ce matin avec ta femme. Oui, bah tu peux toujours. Bon, ben j'arrive dans 5-10 minutes alors. Ok. Dis-le de se préparer, la belle, parce que ça va durer au moins une heure ou deux là. Hein. Eh ben y a pas de problème. On est parti pour la performance là. Ah, ça c'est sûr. Eh ben ça marche. Je suis d'accord. Génial. Bah si tu veux, je pourrais même m'occuper de toi, tiens. Eh ben y a pas de problème. Comme ça, pas de jaloux dans la famille. Ah oui, je suis constipé en ce moment, ça va déboucher. Bah voilà, très bien, nickel. Eh ben j'arrive tout de suite, je mettrai une capote, tiens. Y'a pas de problème. Bisous mon petit Patrick, à tout de suite. Des bisous. Oh bah bravo. Pas mal, bravo. Et voilà, et voilà. Et puis je parlais de classe, d'amour et tout ça. Bah on en est dedans. Le mec est complètement constipé. C'est bien. C'est bien. C'est magnifique. Voilà, tout le contraire de moi. Exactement. Ça va, nickel de ce que tu as. Les opposés s'attirent, tu sais, Cédric, parfois. Bon, ça commence bien à toi, Romano. Ah, c'est bon. Allez, c'est parti. C'est parti. Moi aussi, ça va être classe, vous inquiétez pas. Je sais, j'imagine. Chez qui on va? Et on va chez Daniel. Et on file chez Daniel, là tout de suite. C'est parti chez Daniel pour le clash de la drague de Romano. Attention. Oui, allô? Lola. Elle est là, Romano. Allô? Elle est là, Romano. Manon. Allô, qui est à l'appareil? Oui, allô? Oui, je vous écoute. Vous voulez parler à qui? Bah, à toi, ma belle. Je vous connais pas, connard. Eh oh, tu parles bien, vilaine. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Romano? Alors, je sais pas, j'ai une coupure technique. Tu as une coupure je demande exceptionnellement un rappel de la famille, s'il vous plaît. Exceptionnellement, me mettre dans de bonnes conditions, là, parce que je sais pas ce qu'il y a eu, je n'entendais plus rien, donc forcément, je ne disais pas allô. Vous avez fait flipper. Moi, l'arbitre, je t'autorise un rappel, parce que problème technique, tu as droit à ton rappel. Allez, c'est parti. Vas-y, c'est reparti. Cadeau, celui-là. C'est reparti chez la. Très séduisante femme de Daniel. La femme de Daniel, oui, tout à fait. Magnifique, cette dame. Oui, c'est pourquoi? Ça serait pour fourrer la dinde. Est-ce que je peux passer de voir? Ah, viens, je viens tout de suite. On a bien fait de la rappeler, celle-ci. Hein. Franchement, elle était en grande forme. T'as gagné, t'es le con. La bonne femme. Bon, deuxième tour, c'est parti. Cédric, à toi. On va où? Et là, j'appelle Michel. Allez, on va chez Michel tout de suite. Chez Michel. C'est Michel. C'est Michel au téléphone. C'est Michel au téléphone. Oui, Michel. Michel, allô? Michel, comment vous voulez? Je voulais parler à Michel, là, c'est le voisin au téléphone. Michel, comment que vous voulez? C'est le voisin qui veut te parler, Michel. C'est bien. Ouais, merci ma belle, je peux lui parler? Je vais vous le donner. Merci, donne-le-moi. Quel voisin non plus? J'habite un peu plus loin, là, au bout de la rue. Il habite un peu plus loin au bout de la rue. Et je l'ai appelé ce matin, là, parce que je prépare mon marathon, là. Je me suis inscrit pour le marathon du sexe. Bon, dis-lui. C'est vrai. Et j'aimerais bien m'entraîner un petit peu avec toi, ma belle. Parce que toutes les femmes avec qui je couche en ce moment, elles disent que je suis pas très endurant. Ah, ça. On les comprend. Allô? Oui. Ouais, comment ça va, Michel? Bien, et toi?
Ouais, je voulais venir faire l'amour à ta femme ce matin. Ah bon? Ouais, parce que je prépare le marathon du sexe, là. Ah oui. Et j'ai besoin d'un peu plus d'endurance, là, parce que la dernière femme avec qui j'ai couché, elle m'a dit que c'était pas très très long. Et du coup, je voulais venir m'entraîner un petit peu avec ta femme, quoi. Oui, bah tu peux toujours te la remballer, parce que tu vas te la faire couper, ta saucisse, tiens. Bah écoute, je vais venir avec ma belle saucisse. Ah. Voilà. Bon, eh bien, écoute. Marathon du sexe. Oui, c'est marathon. Marathon du sexe. Marathon du sexe. Oh, c'est pour ça, mais tu peux toujours te la remballer, ça aussi, c'est ce que tu as aimé. Tu vas te la remballer, ta saucisse, il raconte-toi ça. Oh. 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 Elle est outrée, la dame. J'adore quand on est posé. Voisin du bout de la rue. Voisin du bout de la rue. Ouais. Voisin du bout de la rue, alors. Et rien au bout de la rue, c'est eux. Ma femme n'est pas trop performante, alors j'ai trouvé ça. Qui dit bon, c'est censé le pire comme des conneries à côté. C'est fini. C'est un peu long. Ah bah non, saucisse de Strasbourg est emballée. Saucisse de Strasbourg. J'adore. Hey. Ouais. Ça va, vous, sinon? Ça va, c'est tombé. Saucisse de Strasbourg est emballée. La saucisse de Strasbourg est emballée. Emballée. Et bim. Bon, si vous essayez de joindre Michel. Non, mais c'est privé, donc je pourrais pas. Le numéro. C'est occupé chez Michel parce qu'ils ont mis la cloche. J'adore. L'enquête est en cours. Oui, l'enquête. Ils cherchent qui c'est. C'est privé. Bon, fini. Ah non. Voilà. Carriole, on va peut-être pas passer la matinée à les écouter. Il faut un numéro. Oui, Carriole, elle adore. On va peut-être passer à la suite. Carriole adore, elle est très très curieuse. Bah, récupérez-les en antenne et puis tu nous raconteras. Voilà, tu nous diras. Bon, ton deuxième tour, Romano, c'est à toi. Allez, bon, allez, là, il faut s'y mettre. Allez. J'espère qu'il n'y aura pas de problème technique. J'y vais cash. Là. On allez, va chez Michel. Allez. Décidément. Allô. Allô, Michel. Ouais. Ouais, je t'entends mal, là, Michel. Ah, moi non plus, je sais pas qui c'est. Ah, c'est Jean-Louis Gueg, là, l'appareil. Dis voir, là, je t'appelais pour avoir un petit conseil cuisine. Ta femme est là ce matin? Je n'ai pas compris qui tu étais. Jean-Louis Gueg. Jean-Louis Gueg. Jean-Louis Gueg. C'est ça. Ouais. Je connais pas Jean-Louis Gueg, moi. Ouais, mais en fait, je voulais un petit conseil. Parce qu'à Noël, là, j'ai prévu de faire une dinde. Et tu sais, il faut que je la fourre. Et j'aimerais bien m'entraîner en venant fourrer ta femme ce matin. Je comprends pas du tout. Venir fourrer ta femme. Tu veux venir fourrer ma femme? Exactement, ouais. Ah bon? Oh bah merde, bon. Alors. Ouais, non mais c'est pour m'entraîner, hein. C'est un peu un entraînement de cuisine, quoi. Un entraînement cuisine? Ouais, avant de fourrer la dinde, je fourre ta femme, comme ça, je vois si j'y arrive bien, quoi. Espèce de con, hein. Mais sinon, je peux venir te fourrer aussi, là, dans 5 minutes, hein. Tu peux me fourrer aussi, ah bon? Ouais, donc je peux venir dans 5 minutes? Va te faire enculer, espèce de connard. Bah, tu veux que je vienne? Hein? Tu veux que je vienne tout de suite? Ah bah oui, si tu veux. Et amène-toi, je vais te recevoir. Et on va voir qui c'est qui va fourrer qui, là. Hein? Ouais. Tu vois, qui c'est qui va fourrer qui? Amène-toi ici, tiens, je t'attends. Je vais m'occuper de ton cas. Je vais m'occuper de ton cas, mon gaillard. Ah oui, moi aussi. Bon, alors on va s'envoyer en l'air, chérie. Bon, ah je te dis. Comme tous les deux. Dans 5 minutes pour le maxi fourrage. Ah ouais, espèce de connard, hey, casse-toi, fou. Ah ouais, bah, tu vas voir, je vais venir, va. Oh, donc, je vais dans 5 minutes, je te fourre, tu me fourres, on se fourre. Ah ouais, d'accord, c'est ça. Bah, vas-y. Allez, ça va comme ça, les conneries. Ah. Allez, bisous, à dans 5 minutes. Ouais, d'accord, ok. Ouais, d'accord, et bah voilà. Voilà, c'est allez, bien. Parfait. On a un serrage. Un serrage. Emballé, c'est pesé. Bravo, oui. Tous les deux, Cédric et Romano. Qui va gagner le clash de la drague? Oh, 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 vous votez Romano. Ah non, vote Cédric, la famille. Ce matin, plus c'est l'anniversaire de Carriole. Votez Cédric pour lui faire un beau cadeau. Ah, justement, pour Carriole. Pour Carriole, mon amoureuse, parce que Cédric a tendance à croire que c'est la sienne, mais il se trompe. Bah, c'est eh bien, votez Romano, mes amours. Ouais, mais c'est votez Cédric, la famille. Dans ta gueule, ouais. Allez. On parle bien, les fous. Vous décidez. C'est un malade ce mec là. 5 minutes pour voter, allez-y. Le morning de Default sur Skyrock.
On a les résultats du clash de la drague de ce matin. Romano ou Cédric? Cédric ou Romano? C'était vraiment très serré ce matin. 52-48. Non, c'est pas vrai, je suis mort. Génial. Attends, on n'a rien annoncé encore, attends. 52-48, qui a gagné le clash de ce matin? Vous avez voté comme des fous. Et vous avez donné la victoire à Cédric ce matin. Avec vrai. Si, c'est vrai. Ah avec ouais 52%, oui, oui. Cédric. T'es sûr que t'as bien compté? Il a très bien compté. C'est bien, Guigui. Bravo. Et joyeux anniversaire, Cariole. Ouais, bon, allez, écoutez, bonne merci, journée. Moi, je vais me recoucher un peu. Moi. N'oublie pas que tu dois, pour continuer cette belle journée, acheter plein de cadeaux à Cariole aujourd'hui. Plein, mais tu rêves, toi. C'est annulé. Le morning de Diffoul sur Skyrock. Ton destin est entre tes mains. Ton horoscope de l'amour est sur Skyrock. Le mardi 20 décembre, à quasiment 7h-5, on va souhaiter un bon anniversaire à Kiki, à Kylian Mbappé. Donc votre horoscope de l'amour aujourd'hui, votre puissance amoureuse sur une échelle de 0 à 5, c'est 0 sur 5 de puissance amoureuse pour les Gémeaux et pour les Vierges. Alors aujourd'hui, vous serez susceptible, si vous connaissez des Jumeaux et des Vierges, évitez les petites blagues, c'est pas le jour, 1 sur 5 pour les Taureaux et pour les Lions. Évitez de vous entêter si quelqu'un n'est pas du même avis que vous, ça sert à rien de faire le forceur. Les poissons et les balances, 2 sur 5 de puissance amoureuse. Fuyez les endroits stressants et vous allez passer une belle journée. Les sagittaires et les verseaux, c'est 3 sur 5 de puissance amoureuse avec votre joie de vivre qui fera plaisir à voir. Les scorpions et les béliers, vous avez 4 sur 5 de puissance amoureuse. C'est votre détermination qui vous permettra d'obtenir ce que vous voulez. Et on termine avec les capricornes et les cancers. Alors aujourd'hui, vous allez faire sensation. Tout va très très bien. C'est une belle journée pour les cancers et pour les capricornes. C'est 5 sur 5 de puissance amoureuse. C'est la compile de l'actu sur Skyrock. Eh ouais, la compile des sapins affreux. On va aller faire un tour du monde là tout de suite parce qu'on va partout dans le monde. On va commencer par les Anglais justement. Numéro 3. On va à London tout court là maintenant. La mairie qui a décidé d'installer un sapin, alors de base, c'est pour sensibiliser un petit peu les londoniens à la cause écologiste. L'initiative est donc plutôt bonne, sauf que le sapin est vraiment, vraiment horrible puisqu'il n'est fait que de déchets, de canettes, de cartons, en tout genre. Bon, pour lutter contre la pollution, ils te mettent un sapin pollué. Ouais, en fait, les matériaux utilisés pour ce sapin proviennent des balayeurs, les balayeurs de la rue de Londres, pour mettre donc en évidence la quantité de déchets produits pendant la période des fêtes, donc pourquoi pas. Bon, le sapin en déchets, vous pouvez faire ça chez vous, c'est original. Ouais. Tu sais que je l'ai fait avec des capsules, des capsules de café Nespresso vides. Et tu sais que c'est très joli avec toutes les couleurs. D'accord. Merci pour cette bonne vidéo. Non mais c'est vrai. Merci, Cariole d'Amido. Milan en Italie, c'est passé numéro 2. Un truc qui a posé un problème au maire de la ville, parce qu'il y a des habitants qui se sont plaints, ils ont découvert un sapin un petit peu spécial. Un sapin devant un sex shop avec des sextoys accrochés aux guirlandes du sapin de Noël. Donc il y avait des godes de partout, des godes de différentes tailles, de différentes couleurs. Bon, les gens n'ont pas trouvé ça joli, malgré les couleurs, malgré les différentes tailles, malgré la diversité des godes qui étaient sur le sapin. C'est la mairie qui avait autorisé ce sex shop à ériger son sapin en pleine rue. Bon, devant la polémique, le maire a reconnu la gaffe et ils ont rangé leur sapin à l'intérieur du magasin. Mais voilà. Et un autre sapin affreux. Numéro 1. C'est en Suisse. Ah bah alors là, il était tellement affreux que la réaction d'un habitant a été quand même un petit peu radicale. Il trouvait le sapin qui trônait donc au milieu de la ville, dans le centre-ville, vraiment, vraiment moche. Il a donc débarqué avec une tronçonneuse au milieu de la place pour détruire le sapin, voilà, le faire tomber. Il a tapé un scandale en plein jour, les gens se laissent faire, mais moi j'ouvre ma gueule, je passe à l'action, on dirait un balai à chiottes. Seule une panne de tronçonneuse a empêché cet homme d'intervenir. Heureusement, le sapin est sauvé. Bon, il est quand même parti en chercher une autre pour terminer son larcin, sauf que entre-temps, la police a sécurisé le sapin. Finalement, il avait raison, puisque la mairie l'a changé quelques jours après, donc le sapin était vraiment moche. Voilà, bon, des sapins moches à la une de l'actu ce matin. Tous les matins, le morning de Diffoul sur Skyrock. The morning show. Premier sur ton réveil. Et attention, les cadeaux pour les enfants. Et oui, il faut commencer à y penser. Je suis sûr que vous avez déjà commencé à vous gratter la tête. Il y en a même qui ont déjà tout acheté pour Noël. Après, il y a des pénuries de jouets. Je sais pas si vous avez vu, pénuries de jouets. Il y a des jouets qui sont plus disponibles. Déjà? Comme quoi? Ouais. Bah, à cause du Covid et les livraisons. Ouais, c'est compliqué avec les livraisons. Ah, c'est vrai. C'est les livraisons de pièces détachées, des plastiques. De tout, en fait. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Des scalpers. Les scalpers, c'est quoi ça? Les scalpers, c'est les gens qui achètent les jouets en grosse quantité. Pour les revendre après plus cher. Pour se faire une marge dessus. Alors, quelques petits jeux que je voulais vous proposer, vous me dites si ça vous plaît. Et dans un instant, je vous parlerai d'un jeu qui a été interdit parce qu'il y a des parents qui se sont plaints. Des parents qui ont déposé des plaintes parce qu'ils étaient très mécontents du jouet qu'ils avaient acheté. Pourtant, c'est mignon tout plein.
Enfin, jusqu'au moment où tu comprends ce qu'il dit, le truc. Mais je vous expliquerai tout. C'est un objet qui parle. Mais sinon, j'ai des objets à vous proposer. Vous aimez les animaux ? Oui, oui. Évidemment, bah, voilà. Il y a Sam avec nous. Écoutez bien, tu veux jouer avec moi ? Le jeu génial que je vous propose tout de suite. Fouette en os ! Médor, Pétfort. Oh, le jeu qui ne manque pas d'air. Nourris Médor, tourne la roue et appuie sur la laisse. Apprends-lui à être propre pour gagner la partie. Médor, Pétfort, par Goliath. Putain, c'est super. Médor, Médor, Pétfort. J'adore. Les gosses, je suis sûr que les gosses adorent ça. Mais bien sûr. Ah, oui. Un autre jeu, tiens, on parlait de toutou, on parlait de chien, et ben là c'est. Toutourista. Apprends-lui à être propre. Donne-lui sa pâtée, lance le dé et appuie sur la laisse. Plus t'appuies, plus il est content. Ramasse trois crottes et c'est gagné. Toutourista, on n'a jamais ri comme ça. Un jeu de lien. C'est le concurrent de Médor Pétfort. Toutourista. Ah, j'adore. Il y a Toutourista et Médor Pétfort. D'autres jeux qui déchirent. Écoutez, le casse-croûte. Le casse-croûte est un horrible vorace. Oh non, il a tout englouti. Plonge ta main dans sa bouche pour retrouver tes affaires. Évite les insectes gluants. Mais si tu le chatouilles, il est mort. Casse-croûte, un jeu monstrueusement drôle. C'est génial. Ouais, tu le donnes à ton fils il n'a plus de bras après. Bah, j'ai perdu un casse-croûte, toi. Je suis désolé. Bon, attention, d'autres jeux qui déchirent. Mais oui, il est là, écoutez. C'est le cactus qui danse. Le cactus qui danse et qui chante. Et chante ça. Le problème, c'est les paroles. Parce qu'il y a quelqu'un qui a traduit, parce que c'est en polonais le truc. Ouais, c'est ça. Alors, les paroles, ça, en gros, ça parle de cocaïne. C'est, ah oui, effectivement. Oui, elles sont où les paroles? Je vais vous les sortir, attendez. Ah, parce que ça avait l'air sympa là, en écoutant comme ça. Ouais, il est bien la chanson. Les paroles, c'est la seule chose que j'ai dans la tête, c'est 5 grammes de cocaïne pour m'envoler seul au bord de l'oubli. J'ai des pensées dans la tête qui s'arrêteront au suicide. Imagine ça pour les gosses. Je suis pas le seul, je vole avec ma ligne blanche. J'adore. C'était vendu au Canada et il y a quand même quelqu'un qui a traduit ça et il a porté plainte. Le jouet a été interdit. Donc ceux qui l'ont, le cactus qui chante la drogue, là, la cocaïne, c'est un collector, il n'y en a plus. Premier sur ton réveil. Il y a de l'embrouille sur la ligne. Allô ? Il vous embête aussi cette personne ? Ta mère, ta mère ! C'est le double appel de Default sur Skyrock. Voilà, dans le double appel, la France entière est demandée au téléphone. On teste les numéros juste avant et puis on les met en contact là maintenant. C'est parti, on file en France. Ça sonne. Allô ? Oui ? Ils sont là. C'est de la part de qui ? Ils sont connectés. Oui, c'est qui ? Vous avez dû vous tromper là, parce que... C'est une blague ou quoi ? C'est qui ? Allez. Bah bien, si tu veux, j'ai une arbalète ou un arc. Oh, bah, mais c'est où? Et tu t'appelles comment, toi? Non, mais écoute, viens seulement. Mais oh, franchement... Oui, gendarmerie nationale, oui, bonjour. Bah ouais, pas de problème. Bonjour, la gendarmerie. C'est quoi vos numéros à la con, là? Attends. Non, attends, je suis avec des potes, là. Eh, j'ai relevé ton numéro. Viens, on t'invite. Et pourquoi tu m'appelles, du coup, pour avoir... Ouais, c'est quoi ces conneries là? Allô? Ouais, non, il y a un fake, là, de toute façon. Alors, le bouffon, il t'encule? Sérieusement? Ouais, mais tu veux pas me la mettre aussi? Vous allez arrêter vos conneries, là. On a chopé le numéro, hein. Votre numéro, on l'a maintenant. Eh, si t'as mon numéro, tu sais où j'habite, viens. Donc à un moment, vous arrêtez vos conneries. Et on est combien sur la ligne? Il est pas masqué, c'est dommage. Chômeur, ouais, vas-y, viens. Moi, les chômeurs, tu rigoles ou quoi, là? Je suis au RSA, ouais, vas-y, viens, si je suis au RSA, tu vois. Eh, je ne suis pas violent. Mais viens, on va parler en face. Allô, ça veut dire quoi, là? Tu vas voir les chômeurs. Parce que c'est qui à l'appareil, là? Ouais, non, mais tu t'amuses bien, en fait, t'as que ça qu'à foutre. Alors, à mon avis, toi, mon gars, si je te retrouve, t'es qui, toi? Au fait, j'ai oublié de te dire, je suis sur routeur enregistré. Ah, les mecs, t'es en train de te faire enfler. Eh, tu veux jouer au geek, hein? T'es pas le seul, hein. J'ai ton numéro, là. T'as l'air vraiment très con, sur les bords. Si tu veux faire passer plusieurs conversations en même temps, c'est ton problème. C'est fait. Si t'as que ça qu'à foutre. C'est pas mon problème. Ouais, mais te tracasse pas, tu vas avoir des problèmes. Vas-y, continue. Mais là, t'es enregistré. Ouais. Parce que n'oublie pas que tous les appels qui passent sur Internet sont enregistrés. Et t'es qui? Donne-moi ton nom. Si t'es vraiment un peu con... Putain, t'en tiens une couche, toi. Ton problème, c'est pas le mien. Là, je te traite de con. Là, je te traite de con directement. Là, voilà, tu vois, là, tu l'as, tu l'as entendu. À toi, mon gars, ouais. T'as le numéro. Ouais, on a le numéro. J'appelle les flics. Ça fait combien de temps qu'on est en ligne? Non, je veux que j'appelle les flics, oui.
Direct. Bah, j'attends un peu parce qu'au bout de 10 minutes, c'est bon, c'est enregistré chez Orange. Alors, faut que tu nous expliques ce routeur. Oui, oh, t'as que ça qu'à faire, ça te fait plaisir. T'as que ça qu'à faire ou t'as que ça qu'à foutre? Faudrait savoir, dis donc. Ou t'as que ça qu'à dire aussi, d'ailleurs. Ouais, hein. Aussi. Bon, le routeur enregistreur, ça vraiment, c'est un espèce de nouvel appareil qui est un appareil anti-double appel, j'imagine. Bien sûr. Bah, oui. Voilà, l'appareil anti-double appel, le routeur enregistreur, bah, on découvre des trucs. Et merci beaucoup. T'écoutes le Morning Daddy Fall sur Skyrock. Les numéros 1 sont là tous les matins sur Skyrock. Mais oui, vous êtes là, vous réveillez avec nous. Et le numéro 1 de ce matin, c'est ce soir. Oui, toujours. La Moula. Avec une bonne nouvelle. Il y a du nouveau qui arrive l'année prochaine. Nouvel album. Il sort quand le nouvel album? Oui. Bah, premier trimestre 2023, vraiment. Vraiment pour de vrai. Donc, il s'appelle comment? Chef d'orchestre. Et ouais, c'est notre chef d'orchestre avec nous. Je vais envoyer le premier titre dans pas longtemps. Là. Et donc, on t'a préparé une interview chef. Enfin, c'est un petit peu le chef ce matin. Ouais, go. Je suis en mode réfé. Tiens, j'ai une question sympa pour toi. Si tu étais chef dans la police, tu bosserais dans quelle brigade? Je serais peut-être brigade des stupes, sûrement. grand chef suprême de la brigade des stupes. Il va tout détourner. ou sinon, j'aurais peut-être fini. Ripou. Ripou. Alors, ripou, brigade des stupes, très ripou. Très ripou. très ripou dans la brigade des stupes. Ouais, c'est ça, c'est mon job. Okay. Bref, c'était mon job. Brigade très des ripou. Stupes, c'est bien noté. Ouais. Si t'étais chef cuistot, tu ferais quoi comme plat? C'est quoi ton plat préféré? Des spaghettis bolognaises. Voilà, toute la journée. Et des pizzas. Ah, et des pizzas aussi. Et des pizzas, ouais, des pizzas, j'aime bien les pizzas. En fait, cet enfant, il est italien. Donc, ça veut pas. C'est simple, moi je suis simple. Spaghettis, pizza pour eux. Ouais, simple. Ton plus beau chef-d'œuvre jusqu'à présent? Plus beau chef-d'œuvre dans la vie, ça peut être un son, ça peut être ce que tu veux. Mon plus gros chef-d'œuvre, alors qu'est-ce que j'ai comme chef-d'œuvre? C'est ma nouvelle montre là que j'ai truqué, mon. Bon, ça c'est un beau chef-d'œuvre. Ah ouais, belle gosse. J'ai fait customiser. Ouais. Je suis parti voir Edouard Naoum, un ami à moi. Salut Edouard. Gros bisous à Edouard. Gros bisous à Edouard. Gros bisous. Salut Ed. L'un des plus gros de la capitale. Bon, c'est une Rolly simple, hein. C'est Rolly simple, c'est pas une. Nous, on a des flics flacs, on a des. Non, c'est simple, mais je l'ai fait truquer, c'est mon plus gros truc que j'ai fait, mon plus gros cadeau, Difool, c'est mon aussi. Ouais, tu nous l'apprêtes jusqu'à la fin de l'émission. Tu nous l'apprêtes aussi. Quand tu veux, je sais. Jamais, j'aurais trop peur de la casser. Non. En fait, on est sur quel budget là? C'est quoi le budget de la montre? Bon, en tout et pour tout, avec le sentiment. On a pas une fourchette. Une fourchette. Mais sur dans les 50 balles. Oh putain, ça. Une fourchette de 50 balles, ça. Quand même. 50 euros. Ça va, ça te dépasse tout de suite. Ouais, mais une bonne fourchette. Ouais, Moulaga, quand même. Les méchants. Les méchants. Au bout d'un moment, ouais. Voilà quoi. La matière à l'école où tu te débrouillais comme un chef? Ouais. Il faut en trouver une. Bah, franchement, je me débrouille comme un chef. Comme un chef. Oh, je dirais. Musique. Le sport. Bon, voilà, ouais, c'est ça. Art plastique. Très fort en art plastique, en musique. Très, très fort. Les trucs artistiques. Tu faisais de la flûte? Ouais, j'étais fort en cours de français. Tout ça, de la flûte. T'as fait de la flûte en musique? Moi, j'ai tout fait. Tu connais, mais c'était quoi qu'on faisait en musique déjà? De la flûte. Bon, en tout cas, j'ai fait de la flûte. Je me rappelle quand la prof arrivait, tout le monde faisait comme des oufs dans la flûte pour faire un bruit bien désagréable et la prof, ça l'énervait à chaque fois. Ouais. Une dernière question. Allez, si t'étais chef d'entreprise du CAC 40, tu rachèterais quelle boîte? C'est quelle boîte que t'aimerais avoir rien qu'à toi? Une boîte. De conserve. Oh, merci, merci. Hop, une boîte de nuit. Oh, franchement, j'ai. Tu rachèterais quoi? Bah, je sais pas, la tête, c'est trop de là, tu me poses une question. Je sais pas, franchement, t'as vu un truc bien qui marche, quoi, à vie. Ouais, dans des là, McDo, c'est vrai. McDo, moi je suis dans McDo. Toi, t'es dans la bouffe, McDo. Parce qu'en fait, t'as pas dormi et tout à l'heure, je me demandais qu'est-ce que tu fais après. Je suis dans un McDo, je me sens dans un McDo. Je suis comme dans un McDo. Un manager de McDo. Ouais, je suis comme dans un McDo. Quand à la cuisine, je t'ai demandé, tu fais quoi après le morning? Tu vas dormir? Tu m'as dit non, je vais pas dormir. Ouais, je vais aller manger. Ah, il a faim, ouais. Bah, on a remarqué, McDo. Spaghetti bolo et pizza ce matin. C'est ça. Dans le morning. Bon, ils ont dépensé de la moula, ils ont dépensé de l'argent et ils se retrouvent à la une de l'actu. C'est l'heure de notre compile, une compile spéciale pour toi parce qu'il y a de la moula dedans. La compile de l'actu sur Skyrock. Bon, écoute bien ces stories, ces trucs qui sont arrivés à des gens. Ils se retrouvent à la une de l'actu. Ils ont fait quoi, truc? Alors, Rémi, tu nous expliques ce qui s'est passé dans les Pyrénées Orientales. Numéro 3. À Banyuls, pour être très précis, en 2017, un mec a vu son compte bancaire crédité. Alors, énorme surprise.
surprise. Il consulte son compte sur son smartphone et là il voit wow, plus 177 000 euros. Il se dit wow, c'est quoi ce bordel et tout. Bon bah vous vous en doutez, c'est une erreur. Soit dans 177 000 euros qui arrivent comme ça sur ouais, ton compte. Du jour au lendemain. Ah, c'est une dinguerie. Incroyable. Ah, donc la société qui lui a effectué le virement a fait une erreur en fait dans le numéro IBAN. Hein, donc très vite, elle s'est rendue compte de sa connerie. Il avait déjà gaspillé ? Eh ben non, il a fait pire que ça. Le mec, c'est un champion. Il s'est barré avec la somme. Il a pris la fuite. Il a pris la fuite en 2017. Il a été condamné, forcément. 10 mois de prison ferme et il doit rembourser la dette. Sauf qu'il y a un problème. On l'a pas retrouvé. Eh oui, parce qu'on sait où il est. Attends, c'est où ça ? À Banyuls, dans les Pyrénées. À côté de Perpignan. C'est un ouais, champion. Bah, en même temps, c'est pas de sa faute. Ouais, c'est attends, ce que j'allais dire. Non, attends, c'est pas... Attends, tu te retrouves le matin avec 177 balles dans ton compte. T'es content? Bah attends, mais moi, je me dis, attends, j'appelle personne, il y a un drap, je fais quoi? Ouais, franchement, ouais, c'est... Ah, c'est... il est parti avec. Bah écoute, moi, je suis content qu'il ait pas retrouvé. C'est une erreur, mais il s'est dit, c'est un don... Voilà, c'est un don de la banque. C'est pas souvent les dons de la banque. C'est ça, il s'est mangé un don, il se dit. Alors attention, moi, je vais vous parler d'argent aussi. Numéro 2. À la place numéro 2 de la compile, c'est en Italie. Je vais te montrer une photo, Huss. On va même vous la mettre sur les réseaux pour vous faire peur ce matin. C'est une femme qui a dépensé 70 000 euros en chirurgie esthétique pour devenir la femme parfaite. Regarde la tête qu'elle a. Ah putain. Ah ouais putain, comme tu dis. Elle s'appelle Flavia et elle a vendu tous ses biens. Les filles, faites pas ça les filles. Ah non, faites pas ça. Non. Elle a vendu sa voiture, sa maison, enfin elle a dosez, tout vendu. Dosez vos trucs de chirurgie, dosez vos chirurgies. Elle a commencé par des engrandissements mammaires, après ça, elle s'est fait des implants fessiers, plusieurs injections à base d'acide dans les joues, elle a trop fait. Hein. Voilà, son père qui est membre du clergé, son père est curé, il l'a renié tellement qu'elle est vilaine. Non mais elle est horrible. Ah ouais, elle est monstrueuse. C'est un monstre. Regarde. Mais ça roule en esprit là. Guigui, toi qui galère avec les meufs, tu pourrais coucher avec Flavia. Ah, je sais pas, ouais. Elle est vraiment parce que je suis en galère. C'est bon, faut voir. Dire un monstre. Ouais, ouais. Je regarde bien. Il y a une petite photo là en bas. Là. On va le dire. Alors, pour vous la décrire, c'est quoi? C'est indescriptible. Vous voyez, Maëva Guénam, elle a trois abusés du truc. Là. Ah, les lèvres, c'est trop. Du coup, ça va dire boustifleur. Non, mais ça lui bouche le nez. Ah oui, les lèvres lui bouchent le nez. Là, les filles, dosez vos trucs, quoi. Là, dosez les trucs de lèvres. Dosez vos trucs de lèvres. Voilà, ça pète, ça pète. Et t'as vu les seins? Ça pète et c'est dur. Dosez ça pète seins, et c'est dur. C'est dur. Faut tout doser. Rien que c'est dur. C'est dur. C'est trop dur. Doucement. Essayez de prendre une truc injection douce. Voilà, douce. Injection vers douce. Injection légère. Pas dur. Et on termine par la Belgique. Numéro 1. Ah, t'es passé par la Belgique puis tu reviens d'Amsterdam. Vive la Belgique. Alors la Belgique, il s'est passé quoi? Bah il s'est passé que le fils d'un chef d'entreprise a fait une drôle de surprise à son papa, puisqu'il a débité un petit peu d'argent sur le compte de la société de son père et il est parti en vacances à Dubaï. Alors il a débité quand même 55 000 balles, ce qui est pas une petite somme. Sur place, il a dû lapider l'argent, prostitué en resto de luxe. Il a même loué une Lamborghini. Le papa n'en pouvait plus. Il a porté plainte contre son fils et le gamin a été condamné. Il doit également rembourser l'argent dépensé. Alors papa, on fait ça en famille, c'est pas bien. Pas sur le mot, mais oh. Et oh, c'est le mioche, hein. Bah oui. Et s'il a le droit, hein. Oui, oh. Bon, bientôt dans les tuches. Et ouais. Ah, ouais, c'est pas sérieux ça. Bon, des histoires de moulins sur Skyrock, c'est votre morning. Une star. Bonjour. Un appel. Jeff Tuche. Une famille. Jeff Tuche. Oh les gars, c'est Jeff Tuche. C'est le réveil de star sur Skyrock. Mais oui, c'est Jeff Tuche avec leur pull de Noël, la famille Tuche ce matin. Avec donc des familles qu'on a réveillées. C'est Jeff Tuche avec sa superbe voix sexuelle, sensuelle, qui a besoin de... il a besoin de famille pour fabriquer les jouets. C'est parti chez les Tuches et chez Cédric. On a réveillé Cédric avec le film Les Tuches ce matin. J'adore la voix de Jeff Tuche. Bonjour. Voilà. Oui. Joyeux Noël, bonne année. Ben oui, ça arrive bientôt. C'est le Père Noël qui livre les cadeaux. C'est mon mari avec sa hotte. N'importe quoi. Tout nu dessous. C'est quoi ce t'as fait? Bah sous le manteau. Non. Putain, c'est Alex. Putain, j'avais pas grillé. Oh bah c'est Alex. Putain, c'était con Alex. Toi. Et je te jure, j'ai cru que c'était une connerie. On fabrique des jouets pour les enfants. Hein, tu fabriques les jouets cette année? On fabrique des jouets en bois. Et les enfants doivent les commander au Père Noël en écrivant une lettre. C'est bien, moi je veux un marteau. Marteau? T'es con comme une enclume? Putain, il m'a dit un marteau parce que je suis con comme une enclume. Sinon, ou alors, à la limite, si tu savais me faire un godemiché en bois, on a besoin de vous à l'atelier. On nage sous le courrier. Bah si, on bosse.
Chômeur, c'est un beau métier. Ouais, ouais, bah oui, on est chômeur. Maintenant, t'es un chômeur manager. Chômeur manager, putain, j'ai une chance. Avec ma fille, j'ai dit, putain, c'est pas Alex, en fait, donc c'est une grosse connerie. Jeff Tuche. C'est Jeff Tuche. Et moi, c'est Tuche, avec un T, comme t'es là. T'es pas là? Ouais, je suis là, moi. On a besoin de vous à l'atelier. Ah, écoute, chérie, t'as un peu de temps? Ouais. Bah, il dit oui. Non, parce que nous, on est toujours volontaires, mais bon, on aime bien savoir pour qui. C'était un con il y a 10 ans. Donc à mon avis, c'est toujours un con aujourd'hui. Il y a 10 ans, il était con. Et est-ce qu'il y a plus de 10 ans, il était déjà con? C'est le leader mondial des têtes de con. Alors là, donc là, en discutant un peu, donc tu connais plus Cédric que moi. Tu connais. Putain. Chérie, Saint-Quentin, au-dessus de Saint-Quentin. Bernie? C'est Bernie. Ouais. Oh putain! Oh Bernie! Non, c'est pas Bernie. Non, bah, t'es con quoi? Oui, mais il est toujours aussi con. Eh bah oui! Bon, putain, et je te jure que tu m'énerves. Je te jure que tu m'énerves parce que j'arrive pas à griller qui c'est. Pour moi, c'est Bernie. Tiens, tu sais ce que fait? Tu vas venir manger à la maison. Des frites. Des frites! Avec des patates. Des vraies patates, hein. Je te préviens, t'épluches les patates. Bon, allez, je n'ai marre là. Je raccroche, je te rappelle. Bisous, au revoir! C'est gentil d'être passé, merci beaucoup, joyeux Noël, bonne année. Mais nous on a du travail. Joyeux Noël. Et ben voilà. Et puis bonne année. Eh ben elle était sympa, dedans. Ah, grave, ouais. Sympa, elle a cherché qui c'était. Mais c'était Jeff Tuche. The Morning Show. Premier sur ton réveil. Et c'est l'heure de notre compile de tripoteurs et de tripoteuses dans l'actu. On en reparle tout de suite avec Rémi, c'est la compile de l'actu. C'est la compile. C'est la compile de l'actu sur Skyrock. La compile de l'actu sur Skyrock, c'est parti. On va retrouver tout de suite notre compile avec, pour démarrer, une petite visite à Arras dans le 62, Rémi. Numéro 3. Ouais, à Arras, une femme de 50 ans a été condamnée à 12 mois de prison avec sursis et 1000 euros de dommages et intérêts pour avoir agressé sexuellement des travailleurs, des plombiers pour être précis. Elle était chaude, la dame. Ah, elle était très chaude. Elle avait... Des plombiers. Ah, ouais. Si vous êtes plombier, attention, faites gaffe à Arras. Elle avait fermé les volets du logis, de l'habitation, redoublé de propositions un peu malsaines en leur caressant le dos. Oh. Devant la détermination des plombiers à ne pas céder, la femme a frappé l'un d'eux et s'est enfermée dans son appart en gardant le matériel en otage. Il a fallu l'intervention de la police le lendemain pour que les deux travailleurs puissent récupérer leurs outils. Je crois qu'elle était à bout, elle. Ouais, elle était très très chaude, en tout cas. Elle a sécresté le matériel. Je vous rends le matériel, mais vous me couchez avec moi avant. Grave. Sympa. À la place numéro 2. Numéro 2. Ça s'est passé à Épinal. C'est un employé de la mairie qui avait une stagiaire de 19 ans. Bon, c'est un gros pervers parce qu'il n'arrêtait pas de toucher les fesses. Et un jour, il lui a fait la bise et en lui faisant la bise, il lui a léché la joue. Oh. Oh. Je me demande si je préfère me faire toucher les fesses ou me faire lécher la joue. Je préfère me faire toucher les fesses. Ouais, moi aussi. Bon, pour se défendre au tribunal, il a expliqué que c'était la jeune femme qui avait pris ses mains pour les poser sur son derrière. Vous imaginez, bien sûr. Hein. Bah oui. Voilà. Et pour le léchage de joue, bon, il a expliqué que c'était pour lui dire bonjour. Bon, il a écopé de 6 mois de prison avec sursis pour agression, ce qui est bien fait pour lui. Et on va terminer par Fougerolles dans le 70. C'est tout frais, c'est sorti il y a quelques jours. Ouais. Numéro 1. Là, on est dans du lourd, là. Ah ouais, ouais. Un papy de 75 ans qui a touché les seins et les fesses de la factrice qui en avait 24. Alors, comme à son habitude, elle prend le temps de discuter avec lui en déposant le courrier. Puis lui, bah, il lui propose, il se jette dans le grand bain, d'aller chez lui pour boire un petit verre de jus de fruits. Aïe, elle l'accepte. Erreur. Et ouais, elle l'accepte, elle le suit dans la cuisine. Et là, il commence à discuter. Le papy se remémore de ses folles années où il prenait du plaisir avec. Ses folles années. Où il prenait du plaisir avec les femmes. Chevalier d'Aspalès. C'est ça. Et puis il a fini par s'approcher d'elle et l'embrasser dans le cou. Bon, il en profite aussi pour lui caresser les seins et les fesses. La victime l'arrête net en lui expliquant qu'elle ne veut pas avoir ce genre de rapport avec lui et donc quitte la maison pour rejoindre sa petite voiture jaune de la poste. Il revient à la charge, la rattrape et lui touche la cuisse. Il a la santé, le papy. Et donc il a quand même été interpellé hein, parce que ça suffit. Au moment de son audition, il a confié que la factrice n'était pas beaucoup habillée, qu'elle était excitante. Donc voilà, il n'a pas pu résister à son charme. Il a écopé de 6 mois de sursis et 800 euros d'amende au titre du préjudice moral. Et pas facile d'être plombier, d'être facteur, factrice. Pas simple, hein. Non plus. Dur. Merci pour cette belle compile. Attention aux tripoteurs et aux tripoteuses. C'est le morning de Default sur Skyrock.
Premier sur ton réveil. Bon, Jean-Marc Morandini avec... ah ouais, alors, ça vous allez m'en dire des nouvelles. On dénonce les fake news sur Skyrock et les fake infos. Oui. C'est une histoire de rat. Jean-Marc fait le lancement. Hier, lors d'un tournage, une des équipes de CNews était en train d'interroger une dame qui sortait du métro sur un autre sujet. Mmh. Et soudain, elle a senti dans sa manche un animal. Ouais. Regardez cette scène incroyable. Donc incroyable. L'animal, c'est un rat. Hein. Donc un rat dans sa manche. Écoutez la réaction de la femme qui joue très mal et le journaliste qui joue très très mal aussi. Encore pire. Hein. Voilà. Qu'est-ce que j'ai qui... j'ai un truc qui me... Oh, mais j'ai un truc, mais je ne sais pas. L'autre, elle a un rat dans la manche. Hein. Oh, mais j'ai un truc. Enfin, elle dit qu'elle a un rat dans la manche. C'est soi-disant, évidemment. Bah, tu vois même pas de boss. Tu vois, elle sent un truc. Et puis, un rat parisien, et ça puis, fait son poids. Et puis, il n'y a rien qui bouge. Oh, mais qu'est-ce que j'ai? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que j'ai qui... j'ai un truc... C'est le moment du striptease. Ah, c'est le moment du striptease. Ouais, non, mais quel bouffe, le gars. Genre, le mec, il va l'interroger sur, je sais pas, le Covid. Oui, vous allez vous faire vacciner. Ah, c'est le moment du striptease. Je vous sens embarrassé. Oh, oui, oh, vraiment, je vous sens embarrassé. Genre, pourquoi vous êtes embarrassé? Vas-y, parle, dis. Vous avez une bestiole qui. Genre, le mec, il sait, qu'elle a une bestiole dans le. Il devine, il est voyant. Il voit à travers, peut-être, les habits, peut-être. Bestiole, oui. Alors, voilà, c'est. On va souhaiter vous souhaiter une bonne nuit à vous et puis oh là 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 oh là 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 là, 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 là. On va vous souhaiter une bonne nuit oh là 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 il y a une souris dans votre sac quoi et là ouais donc quoi là il y a une coupure. Alors bizarrement tu vois pas le rat tomber dans le sac de la bonne femme, donc là il y a un sac sac de course, ouais, un sac de course, et dedans hop là et on voit le rat. Il y a une souris dans votre sac. Oui. Oh mon Dieu, il y a une souris dans votre sac, madame. Oh, c'est dingue. La souris dans le sac. Oh bon, dis donc. Non mais j'arrive pas à y croire. Oh non mais j'y crois pas. Oh là 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 là, il y a Gérard, l'assistant, qui a mis la souris dans le sac et il y a une souris dans le sac, mais je n'y crois pas, ça, dis donc. En fait, c'est pas une souris, c'est un rat. Ah oui. Voilà, donc en direct live, ouais, le rat dans le sac. Madame, comment vous faisiez? Vous promenez souvent avec des rats dans votre manche? Non, pas du tout. Oh, non, vraiment jamais. Hein, voilà. En direct live. Jamais. Hein. Quelle émotion, madame. Quelle émotion, un rat dans la manche. Un peu troublé, il y avait de quoi. Ça arrive pas tous les jours. Ah, hein, non, donc, ça, ce sera pour le bêtisier. Ah, bah, bien sûr. C'est de pire en pire. Ce sera pour le bêtisier. C'était un rat dans la manche. Oh. Oui. Bah, c'est complètement incroyable. Hein. Incroyable. Complètement incroyable. C'est tellement incroyable qu'on n'y croit pas. Que personne n'y croit. Personne n'y croit. Hein. Tu regardes, Diffoul, tu as un serpent dans le caleçon, je crois. Oh. En effet, mais j'ai l'habitude, il est tout le temps là, ça. Ah, très bien. Ne t'inquiète pas. Voilà. Et le truc s'appelle CNews, faut qu'il change de nom, c'est fake news. Incroyable. Mais qui peut y croire, franchement? Bah, si vous voulez, il y a la vidéo qui est sur l'Insta du Morning. Hein. On la met pour 5 minutes. Voilà, comme pas ça. Pas faire trop de pub non plus. Comme ça, vous pouvez la regarder. Voilà, puis, allez juger. Voilà, vous allez juger. Enfin, bon, c'est phénoménal, magnifique. C'est le Morning de Diffoul sur Skyrock. Ils n'ont rien demandé. Allô. Mais Skyrock va les connecter. Allô. C'est le double appel de Diffoul sur Skyrock. Eh ouais, nous on est comme ça, nous on connecte les Français les uns avec les autres. Qu'est-ce que ça va donner? Ben c'est l'heure de notre double appel, on va découvrir tout ça. Notre double appel, nos Français. Attention, et vous aimez la musique, vous allez être servis dans ce double appel. On a testé les familles juste avant. Et là, on passe à la connexion. C'est parti. Mmh. Bonjour. Attendez, vous êtes qui là? Ah. Bonjour, bonjour les enfants. Mais vous êtes qui? C'est bien, continue parce que j'enregistre. Oh. Mais t'es qui? Explique-nous, parce que là, on ne sait pas. Non, mais vas-y, continue, j'enregistre tout ce que tu dis, là. Ah ouais, d'accord, ok, d'accord. Ouais, vas-y, continue, j'enregistre. Tout. Donc maintenant, tu vas me dire qui tu es, parce que là, voilà. Donc vas-y, dis-moi. Vas-y, amuse-toi, hein, si tu veux. Hein. Moi, je m'en fous, moi, j'enregistre la conversation, donc voilà. J'enregistre tout, lui. Ah, bah, renseigne-toi avant de prendre des gens au hasard. Ouais, bien, oui, bien. En plus, il y a une petite à côté de moi, là, la voisine qui est là, qui entend tout ça. C'est bien, hein. Bien, bravo, la mentalité. Bravo. Ah, bah oui, mais avant d'appeler les gens comme ça, et puis de dire tout ce que tu viens de te dire, renseigne-toi, d'accord? Parce que là, maintenant, tu vois, là, ouais. Moi, là, ton numéro, je l'ai, hein? Je l'ai bien enregistré, et je l'ai au flic, parce que j'allais porter plainte, parce que tu, avec tous les propos que tu as dit, là. Bonjour. Bravo. Ah, bah, tiens, c'est quoi, ça? Oui, bonjour. Oui. Respectez les musiciens. Oui. Oui. Oui, c'est pourquoi? Ben, c'est vous qui m'appelez? Ah non, c'est vous qui m'appelez. Mais c'est marrant, dis donc. Putain,
On me l'a jamais fait celle-là. Ah non, je ne fais pas de blague au téléphone, je téléphone pas moi. Mais je suis chanteuse avec toi. Mais dis-moi qui tu es. Ah ouais, t'as raison, ni da ni da ni da da. Ah, Satanou, c'est toi qui paye, hein. Bah allez, maintenant, comme j'ai bien tout ce qu'il faut, je vais aller au flic et puis on se reverra. Allez, hein, salut. Oh, t'as reconnu, hein. Ah, c'est qui? Ah non, tu m'as pas reconnu, parce que là, tu te trompes, mec. Donc, voilà. Bon, ça t'amuse. Bon, c'est bien. Hein? Ouais, je te laisse, quoi. J'ai autre chose à faire. Bon, allez, salut. Salut. Ah, allez, salut. La musicienne est partie. La musicienne chanteuse également. Ah ouais, en plus, ouais, les deux. Voilà. Et double bien, casquette. Au réveil, c'est sympa, ça. Tu vois, ah ouais, c'est mal au crâne. Oui, t'es... un petit peu. Premier sur ton réveil.